Retour sur le plateau et ça sera avec notre humoriste cache-cache. C'est le cache-cache de haut niveau. Le cache-cache de haut niveau. Ah, voilà. Explique-nous. C'est quoi le cache-cache de haut niveau? Parce que je cherchais le haut niveau là, j'ai pas trouvé. Donc, en fait, le haut niveau c'est un nom que j'ai ajouté à mon premier nom cache-cache. C'est pour amener les gens à innover. Avoir plus haut que de laisser plus bas. Voilà, c'est un peu ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je suis en train d'aller vers le haut niveau pour atteindre le très haut niveau. Mais vous avez commencé comment? En fait, à la base, j'étais d'abord un comédien, un acteur de cinéma dans les années 2005 avec Digri par terre. On a commencé nos films. À Sarre, ouais, vous savez. Mm-hmm. Voilà, nos films ont fait leur. Bon chemin jusqu'à arriver à un moment où on s'est dit bon, que chacun essaie d'aller dans l'humour parce que l'humour est arrivé et nous sommes en train de faire un peu dans l'humour. Voilà, c'est comme ça que j'ai ajouté le haut niveau pour dire aux gens qu'on est en train d'aller vers le sommet. On va aller avec ce haut niveau alors. Voilà, c'est normal. Ça nous propose quoi ce matin? Bon, c'est quand tu viens chez quelqu'un, il faut d'abord prendre ce qu'il t'a donné. Mm-hmm. Voilà. Il y a de l'eau aussi. Hein. Oui, il y a de l'eau. Merci. Malgré c'est ma notre, première notre fois. Le sociologue n'a pas pris, mais. Elle n'a pas pris. On ne sait jamais. Hein. Non, les sociologues, ils prennent à la fin. D'accord. Voilà. Quand tu arrives chez quelqu'un, il faut d'abord prendre ce qu'il t'a donné avant de bien. Voilà, le bourrer. Mm. C'est simple comme ça. En fait, moi, avant qu'on ne puisse continuer cette émission, j'ai une surprise. Et la surprise est la suivante. Vous allez faire un test. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oui, vous allez faire un test. Très sérieux? Très sérieux. Ok. C'est simple, hein? Mm-hmm. Mon nom, c'est Cache-Cache de haut niveau, appellation contrôlée. Cache-Cache de haut niveau, appellation contrôlée. Voilà. Alors, vous allez dire ça sans respirer pendant à 5 fois. Cache-Cache de haut niveau, appellation contrôlée. Cache-Cache de haut niveau, appellation contrôlée. Cache-Cache de haut niveau, appellation contrôlée. 5 fois sans respirer, la surprise vous attend. Mais si vous respirez, vous me donnez tout ce que vous avez maintenant. On peut essayer. Hein? Mais comment vous pouvez contrôler si je respire ou pas? Non, je sais. Parce que quand tu prends une pause, voilà, quand tu prends une pause pour reprendre encore le souffle, je sens et puis je coupe. Mais c'est quel travail il nous donne ce matin là? Non, c'est comment? Je n'ai pas commencé, mais je vais relever les défis. Je vais relever les défis. On y va. On le fait ensemble ou chacun fait de son côté? Cache-cache de haut niveau, appellation contrôlée. Cache-cache de haut niveau, appellation contrôlée. Voilà, je peux l'écrire. Non, non. Bon, moi, je commence alors. Cache-cache de haut niveau, appellation. Hein? Cache-cache de haut niveau. Je t'ai dit de me laisser relever le défi, toi. Moi, je n'écoute jamais les hommes, là. C'est pas sérieux. Il faut que j'apprenne à écouter. Cache-cache de haut niveau, allez-y. Appellation contrôlée. Cache-cache de haut niveau, appellation contrôlée. Okay, cache-cache de haut niveau, ouais. Appellation contrôlée. Allez, vas-y, je te soutiens. Mon frère, okay. Il faut nous faire la fierté. Yeah. Voilà. Cache-cache de haut niveau, appellation contrôlée. 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 Merci. Bravo. Non, mais. Ah, mais tu l'as le défi. Non, mais c'est bon, là. Je dois le faire encore. Moi, je suis éliminé, là. En fait, c'est un truc entre hommes et femmes. Il faut défendre les femmes. Non, mais ils nous mélangent, là. Ça veut dire que nous, on a perdu ce matin. Les femmes ont perdu. Ça, c'est un test entre femmes et hommes. Maintenant, l'homme a pris le dessus. Ou bien vous voulez rester toujours comme ça. Hein? Je sais comment. Non, je ne sais pas comment dire, mais bon, en tout cas, applaudissez pour l'homme. Moi, j'ai compris. Et que toi, tu n'as pas réussi. Et moi, j'ai relevé les défis. C'est pour dire que l'homme a même gagné si ce on matin. Est ensemble, là, l'homme, là, il y a... Ah, ça, c'est toi qui dis ça, c'est pas moi. Non, c'est toi qui a voulu dire ça. Merci de conclure ici. Super, cache-cache de haut niveau. Alors, comment ça évolue maintenant? Parce que avant, vous avez commencé avec le Digri par terre. C'était à Sarre. J'ai suivi, en tout cas, 2 ou 3 vidéos. Et maintenant, comment ça se fait? En fait, nous sommes toujours dans le monde du cinéma. Parallèlement, nous faisons de l'humour. Mais dans le cinéma, nous avons plusieurs séries qui sont sur nos chaînes YouTube. Voilà, Les Carcasses, ça c'est, vous savez, mais nous sommes revenus avec Cam Cam. C'est-à-dire, on se débrouille. C'est toujours dans l'idée d'amener les jeunes à se débrouiller, d'innover. Et on a créé cette série Cam Cam avec 26 épisodes. Et moi, personnellement, j'ai fait aussi une série, Le miroir d'un couple.
où nous tournons avec Patti, la dame nationale, et c'est aussi sur YouTube. À côté de ça, nous sommes dans l'humour et ça nous a permis d'aller travailler un peu avec nos amis à Abidjan. Nous avons fait le Parlement du Rire. Et ça a été une belle expérience. D'ici octobre, si Dieu le veut, je vais encore repartir pour la saison 14. Mm-hmm. Et il faut noter que c'est un milieu très professionnel, et ça nous a permis de côtoyer les Gou, les Maman, les Digbé Cravate, les grands noms de l'humour africain. Et ça nous a aussi permis d'avoir un peu un carnet d'adresses pour pouvoir gérer notre carrière. Et je lance, disons, cet appel aux jeunes, parce que là, du coup, le Parlement a déjà lancé les appels à candidature. Il faudrait que les jeunes puissent postuler pour qu'ils puissent être retenus, parce que, du coup, nous sommes 3 ou 4 seulement. Et pour 17 millions d'habitants, le Cameroun, le Congo, et ils viennent nombreux. Mais le Tchad, on participe peut-être 2, 3, c'est pas bien. Il faut que les jeunes qui nous suivent essayent de travailler. Les jeunes humoristes, ils sont nombreux actuellement. Et nous allons les coacher pour qu'ils puissent venir représenter le pays. C'est le plus important. Parce que quand nous partons là-bas, c'est le pays d'abord, oui, et notre identité après.